télévisé et en ligne. Et journée m'a dit 16 d'Aoua, c'est une capacité en tant que force légale pays. Et dans la conférence de presse, et moi c'est Jacques Gary, moi c'est représentant du comité 100% diaspora. Alors 16 d'Aoua, dans la conférence, là, et une conférence spéciale pour chaque grain haïtien conséquent qui vit dans le pays a, et qui n'a pas à qui crier, qui n'a pas à qui relayer. Et c'est raison ça, nous venons élancer le 22 août pour ça, peuple a enduré dans le problème que y a une situation qui a saccagé. Nous venons élancer le 22 août qui a venu là dans une manifestation dans tout le pays, spécialement en bas lumière rouge, la LIA. Et une manifestation pour nous parler de l'ingérence et ce qui a passé dans le pays, que le peuple n'est pas capable encore, insécurité, la vie chère, kidnapping, le peuple en esclave. Et nous connaissons la journée 22 août, ça, les dit on paquet de bagaille pour le peuple haïtien. Et à travers de là, nous-mêmes, nous venons lancer 22 août ça pour nous faire peuple à connaître, nous devons sortir en bas chaîne esclave ça parce que jeunes garçons pas capables de faire rien dans le pays. Boss maçon pas de travail, boss féonie pas de travail, marchand n'y a pas de commerce encore, élève pas à l'école, parents n'y a pas de petit à l'école, pas de rien pour la jeunesse la guerre aux abois. Et bien, raison ça, nous-mêmes nous avons demandé, nous bouquer. Nous ne sommes pas capables encore parce que le peuple dans la situation qu'il a vécu là, nous pouvons moment arrivé pour prendre destin en main. Et nous pouvons journée, jeudi, lundi qui 22 août là, c'est un moment spécial. Nous avons demandé pour tout le peuple haïtien parce que le moment ça qu'il a vécu là, plutôt mourir debout au lieu de mourir à genoux. Et nous pouvons oligarque corrompu, c'est un problème ça a arrivé avec le pays. Là. Et nous pouvons dans le moment ça, vous voulez régénérer tête parce que le président Jovenel Moïse fait nous connaître, c'est dans ça que vous régénérez tête. Alors nous le peuple là, dans le moment ça, il n'y a pas prendre bouillon réchauffé. Et nous voyons l'autre qui a parlé de 22 août, vous allez faire manifestation, mais nous faisons connaître le peuple là, c'est là qu'il n'a pas tenu. Parce que s'il y a une parler, c'est vous-même qui crasez le pays, vous mettez le pays à l'aide à ça. Et nous pouvons s'il y a parlé de manifestation le 22, nous pouvons avoir des provisions légales pour parler de manifestation. Et nous avons tout le peuple haïtien en bas lumière rouge là, ensemble avec Projomo, Ami Jomo, Rose Bonjean, nous attendons tout le monde qui voulait retirer tête dans la situation, parce que la situation est atroce pour les jeunes garçons, est atroce pour tout le monde, et nous croyons, c'est là que nous-mêmes nous besoin de tous les Haïtiens, et nous croyons que la conférence de presse là, nous croyons que ce n'est pas une conférence de presse personnelle, mais c'est une conférence de presse pour tous les Haïtiens, pour venir en bas de lumière rouge à l'UVND, pour nous capables de jouer une solution, pour nous déchouquer Ariel, pour nous déchouquer Madame Larim, pour nous déchouquer le monde oligarque pour bio, parce que nous croyons que pays ça, c'est pays pas non lié, parce que nous ne pouvons pas avoir l'autre pays d'échange, mais pays ça, c'est là que nous capables de vivre. Et nous demandons pour tous les Haïtiens, fous les bétons le 22 août pour nous capables de déchouquer Ariel Henry. Merci, Sylvie. Parler presse écrite, presse télévisée. Et la salle de Jean Ligno, je salue tous les camarades, réseaux sociaux, femmes ou garçons. Et je salue les compatriotes qui vivent à l'étranger, qui gagnent l'ombrito, qui gagnent nom en deux pays, malgré le corps de leur pays. Maintenant, nous faisons rencontre, tant que les camarades de la sortie, avec la presse, pour nous capables de continuer. Dénoncer et motiver la population hein, pour nous dire pays, femmes et garçons, nous comprenons que nous faisons erreur. Nous te prenons la rue, c'est vrai, nous arrivons, nous disons si je ne vais pas aller, je vais mourir. Nous tout le monde, c'est l'idée seulement qui rentre qu'à le vivre. Mais ouais, mourir, c'est pour nous. Je dis à nous te dis si je ne vais pas aller, je vais mourir. Je vais aller, au lieu de nous vivre. Nous voyons qui ça a mené nous. Et l'école va l'ouvrir là. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé, nous ne connaissons pas s'il fait annonce ou bien pas. Il dit l'école a ouvert 5 septembre. Pendant 7 ans, Madame Sarah, pour tester avec panier sous tête marché, de vous petit sur l'école, vous n'avez pas accès pour vous prendre, non seulement pour l'acheter, puis vous venez vendre. Pour petit bénéfice ça peut payer l'école pour permettre les gens de vivre. Les gens qui travaillent dans la plage fermée, pas de moyens pour eux-mêmes pour les petits gens de l'école. Ceux qui travaillent dans la factory, pas de moyens
pour voyer tout le monde l'école. Ça cap travaille dans restaurant, restaurant fermé. Ça cap travaille quand madame, je dis à madame pas ca kembe nous. Son pays, nous a dit pays a fermé. Il ferme ni pour police, ni pour civil, etc. Nous senti manœuvre qu'a fait yo, nous comprenons qui côté yo te voulait mener nous. Eh bien, nous-mêmes nous comprenons jouet là. Nous senti tout, il y a des démarches qu'a fait pour recycler comme d'habitude pays a gain ça comme pratique. Les wap défendre peuple haïtien que laisser roule compte. Haïtien que le peuple haïtien mandé au sorge ak moun k'a goumé pour ou, sorge ak moun ki te dou non. Côté y a menon non, c'est dans l'enfer et ou pas sorti. Parce que moi-même me songe les messieurs te mobilisé toute force yo, pour te capoter, pour te assassiner Jovenel Moïse. Moi te dit monsieur attention. Nous ka toujours grason bouteille. Mais à ça pour nous réfléchir, c'est à ramasser ces zinglin bouteille là. Je dis à tout pour nous zinglin. Mais les nous garde démonstration qu'a fait soit tant national que international, ça veut dire mercenaires qui regroupent dans la classe politique là, c'est pour la communauté internationale qui travaille. Je dis pour moi, mission presque fin accomplie, et c'est ça qui explique. Les Nations Unies rendent compte de la mission que vous avez mercenaires, mission armée, jeunes garçons et jeunes femmes dans le ghetto, dans le quartier populaire, qui ont été capables de justifier. Un moyen pour retourner dans le pays, je dis à ça nous rendre compte, avion ministre, avion l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, nous avec qui ton, avec qui arrogance, il a interféré dans la vie politique, la caillou, parce que vous connaissez, vous travaillez pour ça, avec une mise en place qui fait pour ça. Dans la mise en place, là, ça nous-mêmes nous dénonçons par rapport à la situation de sécurité qu'il a. C'est que le corps groupe que en pile monde prend qui regroupe des diplomates, et bien ça nous vient de découvrir en deux corps groupe là, c'est une association de malfaiteurs qui rentre dans une dynamique, créer conditions inhumaines, créer conditions désastreuses, créer conditions pour dire nous pas qu'à prendre soin de tête nous, créer, on t'a dit, une situation pour justifier l'occupation du pays de façon musclée. Mais ce qui est intéressant dans la question, et nous-mêmes, je dis à nous demander, médias en ligne, presse nationale, coup international, pendant qu'on vous gagne, c'est mis en place la paix là. Mais il y a tant que mandat 10 sénateurs ont fini, parce que pour eux-mêmes, si ils commencent à faire ça, à faire pendant le mandat 10 sénateurs, c'est comme si pour eux, il y a 10 éléments quand même qui ont certaine légitimité. Son préparation est faite pour le pays. Et préparation est faite pour le pays, les gens qui ont des émissions pour le projet, nous avons dit, c'est trois pays, mais maintenant qui a la tête, c'est les États-Unis. Pour capable de mettre nous à genoux et là au fin mettre nous à genoux là il a fini pour nous dire bon dans situation nous y est là et bien merci bon Dieu sauveur au vini le fait que pour nous acclamer comme sauveur vini et bien ça va permettre yo rentrer dans projet mettre en œuvre ça a été commission c'est vini exploiter totalement ressources sous sol que nous gagnons ça veut dire c'est voler mais c'est fini voler nous ou regarder dans toute zone qui gagne ressources. Ou ap gade ge gen anme. L'homme sans jour ap fait travail pa nou. Sa ki boy, sa vle di chaque moun gon mission y ap fait que jodi a communauté internationale la pran tout moun kap analyser situation comme des imbéciles. Eh bien, nous-mêmes nous comprenons ça. Et c'est ça qui fait nous dit le 22 août kap vini là qui marqué d'après l'histoire nous soulèvement des esclaves. 22 août, 21, ouvri 22 août, il y a une signification importante. Faut nous commencer à faire les gens des Nations Unies, faire les ministres, faire les choses qui marquent les gens. Faut nous commencer à faire sentir que le pays a parlé. Faut nous voir un message par nous et nous demander à toutes les femmes et les garçons, faut nous commencer à mobiliser contre la présence de la ministre de Bia. Ça y est, les bunis. Comme machine n'y a pas marqué buni, machine n'y a marqué
UN, faut nous commencer à faire sentir que nous pas bienvenus. Parce que c'est parce que vous sentez confortable qui fait vous armer le pays. Vous finissez armer les gangs, vous kidnappez nous, vous tuez petit nous, vous tuez frère nous, vous tuez madame nous, vous tuez papa nous, vous tuez les gens qui nous job. Vous mettez nous à genoux. Je dis, vous débarqué, machine blindée, vous débarqué ceci, pas pour renforcer. Institution, tant que gens, vous avez dit, vous avez tête aux missions. D'ailleurs, si vous êtes venu aider nous, si vous avez aidé nous, vous avez pris la main d'Haïti. Vous avez renforcé la formation et vous avez baillé l'armée d'Haïti moyen et équipement pour accompagner la police nationale. Aux États-Unis, pendant l'ambassade américaine refusé l'armée d'Haïti rentrer dans la bataille pour rétablir l'autorité de l'État, pour rétablir la sécurité dans le pays, je rappelle vous, en janvier 2020, avant la prestation de serment, Joe Biden, yo di patizan Trump envahi Sénat, envahi Congrès. M pa trouvé yo te prend la police voyé al mette moun sa ou dehors. C'est l'armée yo te mette dehors. Marines yo te mette dehors. Alors que nous même nous gen nèg yo armé avec Galil AK47 M50 M60 pendant la police pas de formation. C'est avec un pile stratégie manœuvre a fait pour combattre bandi yo, yo refuser l'armée pas moi, yo refuser yo rentrer pour rétablir l'autorité de l'État. Kounia, c'est eux-mêmes qui viennent parler comme si sur l'autre armée, c'est ceci qui a venu pour mettre sécurité dans le pays. Eh bien, dans ce sens, nous avons annoncé 20 août et 22 août, nous avons une manifestation qui a rassemblé en bas de lumière. Nous avons gagné pour nous virer, pour nous faire Delma, pour nous faire un ensemble de Bakou, mais la manifestation a gagné pour à organiser une cérémonie dans le pied papa de Salim pour nous capables de continuer à chercher l'esprit qui te gourmé contre blanc yo. Pour nous comment nous sommes capables de demander Congolo parce que là on dit Congolo allez qui les va tourner encore je dis à nous besoin pour que Congolo tourne. Parce que le Congolo te porte un support, te porte un appui à la cérémonie du Bois Caïman. Et c'est ça que fait les guerres à ta avancé, les guerres à ta manger blanc. Et bien, les coups de bataille a fini. Et bien, pour Congolo tourner en Afrique, ou chantons, chanter, ou dit Congolo, ou aller, qu'il est retourné, ou est encore. Et bien, je dis à nous aimer, à ce que Congolo tourne, vienne renforcer nous, parce que nous trouvons en face de puissance impérialiste. Qui déterminé pour exterminer nous par rapport avec l'iradium que yo dit nous gen bené là. C'est peut-être ça américain veut tout nous vivant. Yo pas voulu nous garantir sécurité pays là, yo pas voulu nous mettre l'autre la caille nous. Yo même yo fait tout ça au capable pour que pas beaucoup tout rentrer sur territoire alors que nous même yo envahi nous à tout moyen qui pour mettre nous à genoux. Eh bien en ce sens, nous invitons population. Nous pour la coopération internationale avec l'ONU, avec la France, avec le Canada, avec les États-Unis, mais nous comptons toute occupation, toute ingérence, nous comptons toute manœuvre esclavagiste que l'on voulait rétablir en un pays sous une autre forme. Oui, nous d'accord coopération, nous pas dire nous pas voulons coopération aujourd'hui avec les États-Unis. Nous pas dire nous pas voulons coopération, mais nous voulons une coopération. Et on Poutine Mali, je dis à nous regarder comment coopération Poutine Mali est, et bien nous avons une coopération tout à la manière de Poutine Haïti, parce que nous rendons compte pays ça, regarder Poutine comment il porte support à pays Mali. Ouais, c'est pas mon cap, demander charité, mais il est traité avec respect, dans dignité. Et bien c'est peut-être ça. Manifestation, n'a pas gagné 22 août là. Son manifestation, tant qu'on nous dit, pour nous continuer avec mobilisation, Bili, mettre ensemble avec la communauté internationale là, il a tout le président. C'est Bili qui touille Jovenel Moïse, qui porte si bon bail en Sasséo, qui crée espace, parce que les Jovenel Terreleo, ils n'ont pas répondu, et bien Jodia revient en phase, puis ils mettent en œuvre ça, ils ont gagné comme mission, ça, ils ont gagné comme politique. D'ailleurs, ouais, m'a fini pour dire. Où est-ce que c'est votre gouvernement? Ariel Henry, en tant qu'assassin qui participait, qui te représentait Bini dans l'assassinat de Jovenel Moïse,
qui te représente les Nations Unies dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ou a regardé, Ariel Henry n'a pas de mission, ni mandat, ou a conservé Ariel Henry dans tel pays. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit tout le monde, toute organisation, en nous mettant main, peuple haïtien, nous connaissons souffrir. Seul moyen pour sortir de la souffrance, c'est qu'on assume ou prendre responsabilité ou descendre sur le trône pour nous gouverner, pour permettre nous rejoindre la dignité et pour nous vivre dans le monde. Merci. Avec nous, nous suivons. Nous-mêmes, petit Dessalines, nous prenons engagement, nous renouvelons l'engagement que nous gagnons pour nous-mêmes, pour nous accompagner la majorité nationale qui a souffert dans tout le monde. Notre travail que vous avez. Je dis, c'est 16 août que l'y est. Et c'est la veille, nous connaissons 22 août 1791 qui s'est représenté dans l'histoire nous, en tant que peuple. Eh bien, dans l'occasion ça, il n'y a pas un secret pour personne, pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui sommes créoles, que et tant que petite Dessalines, nous réunissons sous table là pour nous capables d'avoir une conférence à la nation. Pour nous annoncer qui ça. Premièrement, date ça pour nous marquer. Date ça pour nous marquer qui était soulèvement général, tout esclavio. Et dans ce sens, nous-mêmes nous disons. Soulèvement qui prend le fait là, il prend le fait contre le chômage, grand goût, la vie chère, il prend le fait contre l'ingérence impérialiste en de pays à gouvernement mafia. Nous disons premièrement, nous prend le fait soulèvement ça, c'est tout le peuple haïtien dans quatre pays, pas seulement petit Dessalines. Et tant que mouvement, mais c'est nous tous haïtiens général qui pral soulever. Soulever pour qui ça? Soulever contre criminalité. Soulever contre méchanceté dans l'État. Eh bien, nous dit clair, 22 août Cap Vini là, dans ville au Cap, dans Grand Obéia, nous pral répondre présent pour nous commencer vos batailles là. Nous songeons que nous avons pile l'autre soulèvement qui a fait déjà. Mais 22 août, là, nous songeons qui ça a été. C'est des soulèvements général, tout esclave. Nous, c'est esclave. Mais esclave qui révolte. Esclave qui pas d'accord avec ce qu'a fait là. Yo. Et c'est la raison ça, nous-mêmes, petit Dessalines. Le bombardier du Nord, que le t'es Woody, que le t'es moi-même, Jean Silus, que le t'es coordonnateur. Nous dit nous pas accepter ça qu'a fait là. Nous dit non à gouvernement Ariel là. Non pour qui ça? Parce que le gouvernement qui est illégal, le gouvernement qui n'est pas légitime, et bien là, c'est sous baguette blanche. Et il y a des gens là, ou bien la population qui a dit bon, il n'y a pas de petit Dessalines. Mais non, écoutez. Politique là, tout le monde connaît comment le fait. Politique, c'est intérêt. Intérêt peuple là, nous connaissons soulever, nous connaissons qui temps pour nous soulever. C'est vrai, bagaille au dépassé nous. Mais nous dit clair dans l'occasion, étant que petit Dessalines, nous voyons tout bagaille, peuple après l'an moué, nous pas capable. Et nous tous qui là, nous mêmes journalistes, nous tous, nous touchons nous. Et bien, dans ce sens, nous dit 22 août là, et bien, c'est vrai, le soulèvement général. Qui va commencer dans le grand pays, Jean ça te fait dans le temps ancien. Il te connaît, il te commencé, nous songeons cérémonie bois caïman, et bien nous allons refaire encore. Pour nous faire, c'est toute petite Dessalines, quelle que soit couche qu'on sortit, nous-mêmes, nous sommes toujours engagés. Nous prenons nos victimes dans le combat, nous continuons à mener le combat. Et Jean t'a toujours dit là, c'est jusqu'au bout nous aller. Tout autant que société a pas sorti dans salier là, peuple a pas sorti dans salier là, pas de croiser bras, tout le monde connaît. Ok? Et nous même étant que petit Dessalines, il y a plein de monde dans la presse qui dit tout. Pour qui ça, on va attendre. Nous va attendre, nous te connaissons, moi-même, nous avons fait accident. Bram cassé jusqu'à maintenant, nous avons fait dans Bram.
Mais écoutez, d'ailleurs, nous connaissons dans le milieu côté que nous étions. Mais nous disons clair, en temps et lieu, nous reprenons pour nous dire bataille, là, le pape campé. Et pour toute raison, ça, nous-mêmes, aujourd'hui, qui c'est 16 août 2022, nous prenons engagement devant la presse. OK? Pour nous dire clair, bataille là, il est lancé et il va le relancer d'une manière, on prend très très fracassant. Pour qui ça? Parce que nous disons soulèvement général dans tout le pays. Comme ces signal là pour aller dans grand nom là, et bien que était Jérémy, que était Jacques Bel, quel que soit côtoyé dans 10 départements et même dans 11e là, diaspora au cap Tandéa qui besoin de rentrer dans le pays, pas capable. Et de là, c'est quand tu as toujours peur. Pas de personne qui dit rien avec moi, Ariel Manfoubet, avec moi, Ariel criminel. On ne peut plus. Et bien, je ne dis pas, c'est la première fois que je suis un sans honte dans l'état ça. Première fois que je suis un sans honte dans l'état ça. Et bien, dans ce sens, nous même petit de Saligno, c'est pour nous réveiller. Levez campé dans le grand nord là. Nous disons tout le monde, alliez-nous. Nous ne parlons pas pile aujourd'hui. C'est 22 août là que lié dans le grand nord pays. Et nous invitons la presse en général pour y être présent dans ce qui fait dans le grand nord pays. Et ce signal là pour le bail, nous allons passer avec vous. Qui j'en devant les juges. Ça me garde, c'est que je dis à nous constater que l'état des droits en Haïti est menacé. Il est gravement menacé parce que même au niveau de la Cour d'appel de Port-au-Prince, les juges ne se sont pas donné la peine de respecter la Constitution qui et de rendre toute décision en avis à ce propos, c'est maintenant. Pas qu'un délai, c'est sans délai. Mais je dis que la Cour d'appel, malgré la Constitution, la non-éducation, sur une demande frappée du ministère du Département de l'économie de pièces, on fait le droit de demander et on prend le droit de pièces dans le délai de 24 heures pour le commissaire du gouvernement qui va arrêter. Or, non, question à l'aide propose, pas qu'un délai. Donc c'est sur le coup, sur les champs, pour la Cour d'appel de rendre décision. Qui vient faire que je vous dis à la qu'on est obligé, comme nous ne pouvons pas gommer avec eux. Donc il décide de voler la constitution. Même si on doit être en avion, c'est un. Donc la constitution a été défendue, c'est un peu l'appel. Donc on a fait ce qu'on appelle, on espérait que la Cour d'appel allait corriger cette dérive qui doit être en avion, mais sans défendre, mais rien n'a fait. Donc on constate effectivement, comme je l'ai dit tantôt, que l'état des droits en Haïti est vraiment menacé. Parce que je pense que mon propre travail qui est fait dans le pays. Il faut vraiment que l'autorité du CIO qu'on est là, on a pu appliquer la loi et qu'il y a d'autres qui viennent pour l'appel. Est-ce qu'on a consulté article 26.1, Constitution haïtienne de 1987, qui parle de recours à la protection de la liberté individuelle. Recours en habeas corpus pour tout le monde. Eh bien, on dit que dès lors qu'on doit, on juge saisi d'une arrestation illégale en détention arbitraire ou illégale, ils ont obligation pour constater le caractère légal et dès lors qu'ils constatent, ils ont obligation pour qu'ils aient une décision. C'est un président pour leur donner l'obligation. Non, pour moi, c'est un. Mais c'est trop que bizarre. C'est pas ça. Et tous les jours, nous avons un grand coup de l'économie pour nous déposer pièces. Alors qu'il n'y a aucun côté dans la loi, il dit que dans le droit de la soirée, il faut déposer pièces dans le délai de 24 heures. C'est sur le champ. C'est sans délai. Et comment comprendre la décision ça? Eh bien, cette décision, pour moi, c'est une honte pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel. En fait, pour la plus grosse juridiction de la Cour d'appel d'Haïti, vous parlez de la plus grosse juridiction parce que je sais que la Cour d'appel de Port-au-Prince, plus membre qui est composé, mais ce n'est pas en termes de qualité de décision, ce n'est pas en termes d'appréciation et d'application de la loi. Et moi, vraiment tombé des nids. Et moi, ouais, on m'a gagné pour ça. Donc, moi, j'ai attendu que je vienne continuer, mais j'ai pris une décision. C'est pour l'appel pour constater le public de la population de la convention publique qui a été illégalement par les autorités de police et peut-être politiques de ce pays qui jetaient en prison la musique de 15 jours. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, hein, si les droits de la défense, en fait, si les garanties judiciaires accordées aux avocats ne sont pas respectées, mais c'est encore pire pour les citoyens ordinaires. Or, l'avocat, quand il intervient pour la défense, du droit à la vie, en fait, pour défendre les droits de son fils. Et je ne veux dire, nous retrouvons avec le maître de son fils qui, dans le cadre de mise en charge, un dossier qu'il a pris au niveau de la justice, il retrouve une dérive pour accueillir le ministère des fonctions en tant qu'avocat. Et je ne veux dire, nous trouvons que c'est une élection, c'est une ingérence même,
aujourd'hui à la frontière des autorités politiques et des autorités judiciaires de ce pays. Parce que la justice pourrait du coup venir des autorités policières et politiques. Je n'ai pas fait. Mais je n'ai bien pensé qu'il y a vraiment un devoir pour les citoyens et citoyennes de ce pays de s'injurer, de se mettre debout tous et tout ensemble pour venir à la liberté, pour venir à la liberté, pour forcer les autorités de la justice d'appliquer les termes de la loi. Une question pour éclairer certains auditoires et le dossier a des pas bien d'instruction, le même fait appel, est-ce que ça va déranger le dossier? Non, ça n'a aucune incidence, on a dit dans notre plaidoirie. Et premièrement, dès lors qu'on a une arrestation illégale, illégale. Ce n'est pas la saisine du cabinet d'instruction qui va retirer le caractère illégal et arbitraire de la détention ou de la réception. Deuxièmement, et cette saisine du cabinet d'instruction, eh bien, si tu es fait bruit, il fait en retard par rapport au mouvement de la diaspora qui était introduit le 22 juin depuis 11h du matin et l'audience a été déclarée ouverte à 1h05 de l'après-midi. Ce n'est qu'après la reprise de l'audience, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui s'est ramené en audience avec un soi-disant certificat qui fait état que le dossier a relevé dans la cabinet d'instruction à 2h30 de l'après-midi. Donc, ouais, entre 11h, 1h05 et 2h de l'après-midi. Donc, il y a un différent de temporalité qui fait que beaucoup par nous est antérieur par rapport à cette certification et au montant de toutes pièces. Et je profite de l'occasion pour dénoncer en fait l'attitude complaisante, malvenue, inopportune et illégale du doyen tribunal de commerce de Port-au-Prince qui en fait fait le complice de détention et d'arrestation illégale et habituelle de mes conventions publiques avec les autorités de police et de commissaires. Yes. Et que comportement à coup d'appel là, c'est un comportement même estimé, c'est un comportement dilatoire. Par le fait que le dossier a bien 8 jours depuis le communiqué à la cour, les commissaires du gouvernement qui sont représentants de la cour, eh bien, l'été déjà recevoir décision ça 8 jours d'avance. Et je dis, hein, nous estimons qu'il y a un peu de travail pour nous faire dans la société pour nous apprendre à respecter la loi et respecter la constitution en tant que la loi mère. Constitution, d'après hiérarchie des normes, je dis constitution, elle est au-dessus de tout loi, toute convention, tout arrêt. Eh bien, si constitution devant Dieu, juge à la cour d'appel, et il n'y a pas une constitution dans une situation pareille, nous-mêmes qui faisons partie des populations, nous comprenons dans quel danger par rapport avec droit à la liberté individuelle, droit en général. Donc si on, nous avons un danger généralisé en matière juridique et judiciaire. Donc nous dénonçons comportement ça et nous demandons avec juge qui trouve un coup d'appel pour attention pour faire preuve de respect et de dignité à l'égard de la loi. Nous ne venons pas défendre M. Robinson Pierre-Louis parce que c'est M. Robinson Pierre-Louis. Nous venons défendre parce que il y a des dispositions légales et constitutionnelles qui violaient. Eh bien, nous venons demander juge à la cour d'appel pour rétablir M. Robinson Pierre-Louis dans le droit et dans la dignité parce que nous estimons le droit bafoué par le doyen. Et je dis à comportement juge à la cour d'appel, montrez-nous qu'ils n'ont pas vraiment prêt pour appliquer la loi et constitution en marge de constitution non mais ils ont tout à disposition à 26-1 on dit mais malgré ça ils font l'autre bagaille côté que ils ont demandé pour déposer le dossier dans le délai légal 3-24 temps. Cependant nous connaissons la réalité à les autres 24 temps les capables ils ont 8 jours capable de moi. Et nous-mêmes, nous dénoncer le comportement ça et demander, il faut que vous fassiez un effort.